Salut tout le monde, on est de retour sur Island Saver. Vous l'attendiez tous, bien entendu. Un nouvel épisode dans une nouvelle zone. On part sur une nouvelle île, c'est l'île volcanique. Ça va chauffer sa mère. Il y a du feu, des champignons enflammés, un décor totalement envoûtant. J'espère que vous êtes prêts, en tout cas moi je le suis. Et que nous dit Kiwi? Tu peux le faire. Merci Kiwi, là franchement tu me motives à fond. Ça me fait plaisir. C'est parti pour cette nouvelle île. Il va certainement y avoir de nouveaux types de gameplay. On est habitué. Par contre, là, actuellement, on n'a pas d'eau. Alors, comment ça va se passer? Je peux pas récupérer de lave non plus. Comment ça va se passer? Eh ben, on va voir. On va déjà récupérer les détritus. Et ensuite, on verra. Ils vont nous l'expliquer. Hein. Ah, déjà, attendez, ça, on va l'enlever. Si on peut l'enlever. On peut pas l'enlever. C'est pas grave. On va devoir améliorer, je pense, notre pistolet. Ok. Je peux pas l'enlever, ça, vraiment? On va regarder si je peux pas améliorer mon pistolet tout de suite. Alors, boutique amélioration. Ah, offre plus de place dans l'inventaire. Ah, mais j'ai pas d'argent. Après, on a quoi? Non, ça augmente juste le stockage. Augmente le stockage d'eau. Et forcément, Kiwi, il va pas nous aider. Il nous laisse dans la merde. Ah, il y a des gros détritus, je peux pas prendre de lave. C'est pas de la lave ça, je suis con. C'est des feuilles. T'es persuadé que c'était de la lave. Tu peux m'aider, Kiwi? Continue comme ça, ce que tu fais compte vraiment. Ouais, c'est bien, mais... Ah, je t'avoue que je suis un peu bloqué là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a de l'eau ici! Oh, j'ai pas fait attention. Excusez-moi. C'est de ma faute. Donc là, on pourra débloquer une sorte de tigre. Voilà, et là on va pouvoir nettoyer ça. Alors ça par contre on peut pas l'enlever, donc je pense qu'il faut construire quelque chose ici. Yes, on va devoir construire un truc là. Ah, lui ça va être bon. Voilà. Du métal, parfait. Et donc là on va pouvoir mettre du métal à l'intérieur. Du coup pour l'instant on peut stocker uniquement le métal. Il faut peut-être tirer dessus. Faut peut-être mettre de l'eau dessus. Non, je pense qu'il y a une amélioration. Hein. Il doit y avoir une amélioration. Là, pour l'instant, on peut pas. Enfin, je vois que ça, en tout cas. Hein. On va voir. On va déjà tout nettoyer. On va ramasser un peu les canettes et tout. Et on verra ce qui se passe. Des arbres sandwich. Toujours plus. Hop. Encore des arbres sandwich. Alors, qui mange les arbres sandwich? Bien entendu, un renard. C'est évident. C'est évident. Ah non, ça c'est quoi? Non, ça c'est du poulet, ça. Les renards, on les connaît, on en avait déjà débloqué. Voilà. On a du coup maintenant le blaireau, je crois qu'on l'a jamais débloqué. Ah, ils reviennent. Reste là, toi. Voilà. En vrai, c'est peut-être hyper simple. Faut peut-être balancer quelque chose dessus, je ne sais pas. On va nettoyer ça. Voilà, ça c'est bon. Là, il reste ça. Enlever les morceaux de métal. Merde, c'est plein. Ah mais c'est bon, ça s'est enlevé. Comment je l'ai enlevé? J'ai même pas fait gaffe, je sais pas du tout comment je l'ai enlevé pour le coup. J'ai peut-être tiré quelque chose dessus. Eh ben attendez, on va essayer là. Là, si je tire quelque chose dessus. Ah, donc c'est bien ça qu'il faut faire. Très bien, eh ben écoutez, nice. C'était facile à deviner en vrai. J'avoue que j'ai abusé. J'avoue que j'ai galéré un peu pour rien. Ça c'est nettoyé. Qu'est-ce qu'on a par là? On a des petits passages, y'a rien. J'avoue, j'ai abusé. Oh, le bruit qu'il fait. Hop, là, on nettoie. Et maintenant, nous avons un grizzly.
Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Qu'il est beau. J'avais vraiment l'impression que c'était de la lave, hein, pour le coup, ça. Ils sont déjà de retour. Oh, le gros. Voilà. Merci, au revoir. Ils ont rien sali de ce côté-là. Ok, parfait. Elle est sympa, j'aime beaucoup les décors en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau système de gameplay. Peut-être qu'ils vont en rajouter après, mais ce que j'aime beaucoup, c'est les décors. Les couleurs, en fait, c'est beaucoup trop beau. Avec, les feuilles, là, les champignons qui éclairent. C'est très féerique, j'aime beaucoup. Là, c'est plein. Il me reste quoi? Du coup, on a nettoyé la zone à 95%. Voilà, il reste des choses. Tiens! Je vais maintenant sauver. Ah, là aussi. Putain, complet. Et quand il reste des petits pourcentages comme ça, c'est un peu chiant. Assis là-bas. Hop, hop. Non, on va devoir encore réinitialiser celui-là. Hop. Encore une réinitialisation. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on a nettoyé la zone à 98%. Maintenant, on va devoir sauver les 8 banques animaux. Ah bah là, tiens. Ça, c'est les derniers morceaux. Oh putain, on est à 99%. Horrible. Bon, c'est pas grave. On va le trouver. Hein. On va trouver tout ça, mais... Alors, bon, allez, bouffez-moi tout ça. C'est eux qui bouffent les sandwichs? Ah oui, d'accord, ok, les grizzlies bouffent les sandwichs. Intéressant à savoir. Ils mangent quoi, eux? Ils mangent ça, là, les morceaux de poulet. Bouffe les morceaux de poulet. Eux, ils mangent ça. On les aide un peu, comme d'habitude. Hein. Voilà, les pilons de poulet. Tenez, il y en a pour tout le monde. Voilà, là il y en a encore. Ouah, ce sera largement suffisant. Hein. Avec tout ce qu'on leur a donné. Et eux, ils bouffent. C'est quoi ça déjà? Ah, c'est des myrtilles. Oh, les belles myrtilles. Tenez. Et voilà. Et là, normalement, on les a tous sauvés. On a les grizzlies, c'est bon. Les grizzlies, c'est bon. Oh, les beaux bébés. Hein. Oh, ça, c'est du beau bébé, ça. Oh, c'est du beau bébé. Au secours. Non, mais lâche-moi. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Hein. C'est pas une raison. Ouais, formidable. De l'argent. 80 d'argent. Mais ah, non, mais lâchez-moi la grappe. Vous êtes plus chiant en fait à nous coller. Zone terminée, d'accord. Zone terminée. Ouais, mais on l'a pas nettoyé à 100%. Oh, du coup, il va lécher le miel pour, du coup, nous débloquer la prochaine zone. C'est beau. Les ours adorent le miel et on dirait bien que ces grizzlies affamés s'occupent du problème du miel collant. Alors, il nous reste un petit morceau, du coup, à récupérer. Alors, ici, on pourra pas passer tout de suite, forcément. On n'a pas débloqué encore le roi de cette région. Putain, il nous reste un truc à nettoyer. C'est peut-être avec de l'eau quelque part. Je déteste ça. Ah là, c'était bien caché hein.
Voilà, c'est bon. Bon bah vas-y, prends ta pièce. Et on peut débloquer la prochaine zone pour... mais j'ai pas l'argent. Tu n'as pas assez d'argent pour accéder à cette nouvelle zone. Oh non, il va y avoir un mec qui va... Ah, on va devoir faire des prêts à la banque, c'est vrai. Eh bah écoutez, bah on n'a pas le choix en fait là. Hein. On n'a pas le choix. Mais c'est la première fois qu'on fait un prêt. Je crois que les prêts étaient pas encore débloqués. Comme tu le sais, un prêt bancaire est un moyen sûr et efficace d'emprunter de l'argent pour faire un achat plus important. Tu peux demander un prêt de 200 pièces d'or, tu pourras ensuite payer un petit montant tous les mois jusqu'à ce que ton prêt soit entièrement remboursé. Un intérêt de 20, d'accord. Bah écoutez, on sait comment marche des prêts, y a pas de problème. On fait ça puisqu'on n'a pas le choix. La banque nous tient par les bonbons. Tu n'as pas assez d'argent pour accéder à cette nouvelle zone. Mais prêt accepté dans... Ah d'accord, ok, faut patienter. Putain, en plus j'avais 116 de pièces quoi. En vrai, il me manquait pas grand chose. C'est bon. Allez, c'est parti. On y va. Oh, c'est trop beau. Ta demande de prêt a été acceptée. Tu peux améliorer ton éclat de déchets et continuer à sauver l'île. Rends-toi la boutique de Pigby. Ah, nice. Est-ce que j'ai assez? Ah, ça coûtait 100. Ah ouais, on le prend tout de suite. En vrai, un emplacement supplémentaire, c'est beaucoup trop bien. Franchement, un emplacement supplémentaire, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Où est la livraison? Juste là. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Et voilà. Attendez, on est revenu où là? Ah merde, on est revenu dans l'ancienne zone. C'est parti, nouvelle zone. Salut Biono, de nouvelles améliorations pour... Non mais j'ai... Oui, j'ai déjà pris, pas de problème. J'ai déjà fait... On va tellement pouvoir ramasser de choses. Regardez tout ce qu'on ramasse. On va récupérer de l'eau aussi. Où souhait les trucs là pour poser le... là je peux pas passer. On va forcément devoir revenir en arrière ou on peut construire des trucs là? Ah, on peut construire des choses là. A chaque fois j'oublie qu'on peut construire des choses. Voilà. Voilà, et on fait pareil ici. Heureusement, parce que sinon on devrait faire des allers-retours, ça aurait été bien chiant. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, 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 vas-y. Voilà. Non mais... Ma gueule le jeu. Ah, quel plaisir d'avoir un emplacement supplémentaire vraiment. Hop, attention, et nous avons bien entendu les escargots. On les avait déjà vus, je crois. On ne rappelle plus, hein, tellement d'animaux, hein, vous savez. Hein. Moi, j'oublie. Hein. Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ah là, on doit construire quelque chose, là? Ah ouais? On va faire, du coup, on va faire. Faut que je m'écarte. Oh bah ça c'est bon. Pas de problème. Ah ouais, ok. Fallait pas les construire normalement ces trucs là, de base. Ok, maintenant il faut les construire maintenant. Bon, pourquoi pas. Les temps changent. Voilà, là c'est pareil, ouais bah ouais, là aussi. Bien d'avoir cette construction. Il me reste 20 jours là pour payer le... payer la dette là. Attends, les jours passent tellement vite. On n'était pas à 25 jours il y a quelques minutes. Hop.
La 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 la. Ah, il y a des détritus. Ah, mais il y a des détritus qui se barrent dans l'eau. Comment je fais pour le récupérer? Ah, voilà. S'il se barre dans l'eau, je pourrais jamais le récupérer, quoi. Voilà. Alors, à quoi ça sert déjà ça? Ah, oui, c'est pour faire des échanges. Ah, oui, c'est les échanges de. Parler à la machine de change. Oui, c'est ça, c'est la machine de change. C'est la machine de change. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Le petit œuf, notre premier œuf d'ailleurs. Hein. Ah ouais, le premier œuf, essaye de trouver les autres sur l'île. Le premier œuf. Oh non. Ah. Et je pensais qu'il y avait un gros, mais non. Voilà, et du coup. Pigby, il vend quoi déjà? Est-ce qu'il vend des graines? Bienvenue au troc de fruits. Ah non, lui, en fait, Pigby, c'est juste pour se faire de l'argent, quoi. C'est juste pour te faire de la thune. Donc là, il faut un arbre à gland. Deux arbres à gland. Ils mangent des bonbons, eux. Trois arbres à gland. Ok, il faut quatre arbres à gland. Bon, donc ça, je pense que je peux le commander. Bah, j'ai pas d'argent aussi. Ah, mais la banque, attendez, ils vont me demander l'argent dans quelques jours, là. Oh là là, je pourrais pas rembourser la banque, je vais finir en prison. Mec qui est dans l'abus. Allez, donne. Et donne. Ah, il reste pas beaucoup de jours, hein. C'est la merde, hein. On va devoir se faire de l'argent avec Pigby, je pense. Ou alors non, on va avoir de l'argent là avec les animaux là. Ça va le faire. On va avoir de la thune, y a pas de problème. L'écureuil. Putain, il est gros, non? Gros écureuil. On va du coup. Je vais aller chercher. Oula, il se passe quoi? On va aller chercher des jetons d'impôt. Il reste 12 jours. Merde. Ah non, ça c'est du verre. Hop, on va prendre. On va en prendre deux. Et du coup, est-ce que je peux vendre ça à Pigby par exemple? Est-ce que je peux lui vendre des. Des hamburgers, j'allais dire, des sandwichs. Ah, je peux vraiment tout lui vendre en fait, hein. Il accepte tout, hein. C'est la poubelle du quartier, quoi. Ah, il avait un détritus coincé, lui, le pauvre. Hop, là on réinitialise. Tiens, mange. On peut se faire de l'argent là normalement avec les animaux, donc faut faire vite pour pouvoir payer l'intérêt de la banque, mais je sais plus exactement c'est combien. Normalement on se fera assez d'argent. Voilà. Avec l'échange de monnaie ça devrait aller. Ah bah tiens là c'est hyper logique, les écureuils mangent des glands. Pour une fois on a quelque chose de logique. Tiens. Oh, ils en ont assez là normalement. Parfait. Pourquoi vous sautez tous comme des kangourous? Ah c'est bon lui. Ok parfait. Et il reste du coup encore les écureuils. Mon temps à payer, non ?
Ton vin sera bientôt échéance, assure-toi d'avoir assez d'argent, il faut payer 22. Ok, il me reste 5 jours, ça va le faire hein. Ça va largement le faire. Putain mais c'est stressant. Merde, je suis plein. Oui mais... On va virer ça. Juste récupérer mes, mon argent là. Reste quoi lui? Voilà, merci. Il reste quoi comme animal là? Il en reste un? Ah bah oui, il manquait un arbre à gland. Bon là je vais me faire de l'argent tout de suite parce que sinon je vais être dans la merde. Vite. Ah il y a des détritus derrière, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est bon. Allez, on se fait de l'argent. Go maintenant. Oh non, on est à deux. Ok, on va attendre. Non mais c'est une blague. Allez, monte. Oui, aujourd'hui. Allez, go. Mais non, j'ai pas de retard, c'est faux. Regardez, est-ce que j'ai du retard là? Vite, faut que je pose ça à ma banque. Vite. Non! Je dois payer plus! Oh mais non! J'ai eu un... Oh mais c'est abusé, j'y étais, j'avais rendu... Mais c'est vraiment les banques, hein! Putain, c'est des... C'est des rapaces, hein! T'as un jour de retard, les mecs, ils te pètent direct une majoration, quoi! Putain de banque! Bon, je dois acheter une dernière graine, du coup. Bon, j'ai une majoration, bon bah tant pis, hein, tant pis, tant pis. De toute façon, on va bientôt être blindé. Au début, on en galère, et après, on est blindé. Toujours comme ça, le jeu. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre banque animaux du coup qui va apparaître là? Attendez, pourquoi on est à 7 sur 8? Ah il est là, d'accord, ok. Il vient d'apparaître avec l'arbre. Il la mange. C'est largement suffisant. Et là... Attendez, j'ai vraiment loupé un truc ici depuis le début. C'est impossible, tu dois trouver l'icône, ouais voilà. J'ai loupé... Ah putain d'accord, il y avait une banque ici que j'aurais pu construire depuis le début. Ah non, je vais avoir besoin de matériaux, sauf que j'en ai plus. Ah! On va en récupérer. Merde. Ah oui. Non! Je voulais pas tout vider! Au secours! Je voulais surtout pas tout vider. En fait, tu mets une pièce, il t'en donne tellement. J'ai juste mis beaucoup trop de pièces. Voilà. Et la zone est terminée. On est rapide, on a quand même terminé deux zones en, ouais, en même pas 25 minutes. Et il nous crée bien entendu un petit pont avec, avec des graines. Et champipi. L'écureuil a utilisé toutes ses graines pour faire pousser des champignons rebondissants. Utilise-les pour sauter par-dessus la rivière et atteindre la nouvelle zone. Non mais arrête de me pousser. C'est pas là que je dois les mettre ça? Ah c'est juste plein, d'accord.
Faut vraiment que je vérifie à chaque fois derrière s'il y a pas d'objet caché quoi. Ça c'est vraiment incroyable. Alors je vais prendre 2 jetons d'impôt. On peut même en prendre plus, comme ça au moins on en garde sur nous. Ici on doit faire de la place, on peut les poser dans un coin, c'est pas gênant. Et voilà, zone à 100%. Jetons d'impôt. On va échanger nos yens. Enfin, nos yens, c'est pas des yens, c'est des livres. Déposer 2000 doublons quand même. Hein. Très bien, alors dans 20 jours, je dois repayer la banque. Il n'y a pas de problème, j'ai beaucoup d'économies, donc il n'y a pas de souci. Tu es un super économe. Faire des économies est un excellent moyen de remplir ses objectifs financiers. Bah forcément, la banque, ça les arrange, hein, les économies. Traverse grâce aux champignons rebondissants. Attention, mon dieu. Et bah voilà, nouvelle zone. Bon bah écoutez, bon on va s'arrêter là, tiens, c'était pas mal comme petite vidéo du coup pour cette début de zone volcanique. Je vais regarder rapidement où j'en suis au niveau de la carte. Ah, j'ai l'impression qu'on avance super bien, on a fait ouais, quoique. On a fait ça quoi, ensuite là on en est là. On avance à notre rythme. Oh, on n'est pas à la moitié, on est à un tiers à peu près. À peu près un tiers. Ah oui là il y a les dettes ici, du coup on a 198 de dettes. Au secours. Au secours les dettes. Très bien, bon bah écoutez, en tout cas j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Iceland Saver. Il n'y a pas trop de nouveaux gameplay, à part les fameux pactages d'objets. Il n'y a pas grand chose je trouve en nouveauté sur cette île, donc peut-être que ça va se rajouter, mais pour l'instant, pas grand chose, voilà. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu, on se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos, portez-vous bien, salut.